La matière de ce livre, comme son titre qui n'est pas menteur l'indique, c'est la ville de Lyon. Plus précisément, la relation singulière que quelqu'un qui est né, y être né n'a pas beaucoup d'importance, mais quelqu'un qui a passé son enfance et son adolescence a noué au fil de cette période avec la ville, qu'il a ensuite quitté quelques années, ça correspondait à la période de mes études à Paris, et pour revenir ensuite. Alors, l'importance de la ville d'enfance, je crois qu'elle est évidente pour peu qu'on y réfléchisse un peu. La ville d'enfance, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, peu importe le rapport qu'on a avec elle, c'est une ville avec laquelle on a un rapport qu'on a avec aucune autre ville. Une autre ville, c'est un objet qu'on conçoit comme constitué, dont on a une représentation, sur lequel on a lu des choses. Un jour, on y va, éventuellement, et on rectifie aussi éventuellement la représentation qu'on en avait. Mais c'est un objet constitué. La ville d'enfance, elle est d'abord presque tout entière hors champ. On la découvre tout petit, derrière une fenêtre. C'est quelques pans de mur, c'est une rue en dessous, un petit carrefour. On fait quelques courses avec les parents et on découvre progressivement un quartier proche. On nous emmène faire quelques visites, souhaitées ou pas. Et ce sont des coups de sonde dans la matière de cette ville. Mais la ville elle-même, pendant très longtemps, elle est comme un immense tissu matriciel dont on ne connaît pas la forme. Et cette forme, elle ne se constitue que très progressivement. Donc, il y a là, je dirais, dans la connaissance d'une ville, quelque chose qui est très singulier, qui est unique. La ville d'enfance et puis la ville d'adolescence. Donc pour moi, jusqu'à la vingtaine. Là, c'est plus. Ça n'a pas le même caractère général d'expérience. C'est plus autobiographique, plus singulier. La découverte de Lyon, pour moi, l'exploration de Lyon, elle a correspondu, quand j'étais lycéen, j'entrais en première, à la découverte du surréalisme. C'est-à-dire la découverte du surréalisme il y a plus de 50 ans maintenant. Aujourd'hui, le surréalisme, c'est un chapitre glorieux de l'histoire des lettres. Bon, à l'époque, à vrai dire, il était bien à bout de souffle, et il était moins fringant que je ne l'imaginais. Mais enfin, quelqu'un comme Breton, à défaut d'écrire vraiment, était quelqu'un qui était vivant, toujours quelqu'un qui respirait quelque part à Paris. Quelqu'un dont il n'était pas facile de trouver tous les livres. Si on voulait lire quelque chose d'aussi classique aujourd'hui que L'amour fou, il fallait aller en bibliothèque. Et découvrir Lyon, en même temps que découvrir le surréalisme, ça correspondait chez moi à, je dirais, à la fois un goût très ancré pour la poésie, pour la littérature, et en même temps à une méfiance grande vis-à-vis des promesses un peu à la légère qui lui arrivent assez souvent de faire. Et les surréalistes, c'était au fond des gens qui, lorsqu'ils sont à leur meilleur, avaient exprimé un doute très lucide sur les pouvoirs de la littérature. Mais justement, avec les surréalistes, je reviens à la ville, la promesse, c'était que, au fond, la meilleure part, elle était pas forcément dans les livres, pas forcément dans les mots, elle était dans la vie. Et entre les livres, les revues que j'allais lire à la bibliothèque municipale, ceux qu'on ne trouvait pas,
Et la ville que je retrouvais en quittant cette bibliothèque, la bibliothèque municipale de Lyon à l'époque, était dans ce qui est toujours, dans ce qu'est le Vieux-Lyon. Elle a déménagé depuis. C'était la ville qui ouvrait en quelque sorte ses, je veux dire, ouvre ses bras, c'est pour mal dire ainsi, qui multipliait ses sollicitations. Y a cette phrase de Breton, regarde la ville, regarde la rue, elle va être à toi, elle est magnifique. Alors même si très jeune homme, il n'est pas toujours évident de trouver la rue et la vie qui va avec magnifique, plutôt les périodes tendues de l'existence. Mais il y avait cette promesse, et donc j'ai exploré Lyon dans ce cadre-là. Ou plus exactement, j'explorais la ville. Je jouais à un jeu de la ville, et c'est en quittant Lyon, en vivant pendant une demi-douzaine d'années en région parisienne puis à Paris, que j'ai réalisé l'attachement que j'avais conçu pour cette ville, avec laquelle je n'avais pas rompu, puisque mes parents y habitaient, j'y avais des amis, donc j'y retournais régulièrement, mais qu'il y avait un sentiment d'attachement très, très profond qui s'était établi, ce qui fait que à la fin de mes études, devenant professeur d'histoire, j'ai demandé à être nommé à Lyon et j'ai été nommé, j'ai fait retour, sans d'ailleurs l'idée de m'y installer définitivement, mais je me suis installé, j'y suis resté. Hein. Et donc le livre, le nom de Lyon, c'est une tentative pour essayer de débrouiller au fond cette relation, pour une part obscure, en tous les cas longtemps obscure, cette relation aussi favorable, parce que c'est une ville dans laquelle je me sens bien. C'est pas une ville que je considère comme la plus belle des villes, je veux dire, il y a infiniment beaucoup de villes qui sont beaucoup plus belles, qui ont beaucoup plus de prestige que Lyon, mais c'est une ville à part. Pour moi, c'est la ville dans laquelle, au fond, c'est la ville qui me convient, comme on peut le dire, d'un climat ou d'un régime alimentaire. Hein? Bon. Et j'ai voulu donc élucider ce rapport en dessinant à la fois, en cherchant à établir un portrait de la ville telle que je la vois. Certes, ce n'est pas un objet, ce n'est pas la tentative de description objective de cette ville, elle est rigoureusement subjective dans son intention. Hein. Mais avec cette idée aussi que décrivant la ville, traçant le portrait de la ville, je faisais transparaître ou je donnais en miroir à voir quelque chose du portrait du marcheur. Les villes disent, dans le rapport que nous entretenons avec elles, disent qui nous sommes. Sur les plans des villes, on peut dessiner la trace de ses pas, les itinéraires favoris, les zones qu'on évite, les zones d'attraction, les limites entre ces zones. Enfin, il y a toute une série de déterminations tout à fait importantes. Et je dirais la trace des pas donne comme une sorte de portrait, un descriptif de la pensée aussi. Et donc, l'entreprise a cette ambition d'essayer, j'espère que ce n'est pas trop une présomption, hein, de présenter à la fois la ville et le marcheur dans un rapport de miroir et de donner ainsi une forme de vision de Lyon. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un guide, il va sans dire.
dans la mesure où, par exemple, si un quartier n'est pas lié pour moi à de forts souvenirs, à une véritable attraction, quelle que soit la force éventuelle de ce quartier, je ne lui ai pas fait une part considérable. J'ai fait la part, c'est comme sur les cartes mentales, une zone est proportionnelle en quelque sorte dans sa représentation à l'attraction qu'elle exerce sur nous. Donc telle petite zone peut avoir un développement démesuré, ou en tous les cas très grand, et telle zone plus importante pour des gens qui y habitent, qui ont des souvenirs d'enfance, etc. Ces gens-là peut-être seront déçus de voir la façon dont je traite la chose, étant donné que moi, je n'y ai pas de souvenirs particuliers. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas non plus un livre d'histoire. Je précise ça parce que, ayant enseigné l'histoire toute ma vie, pour dire, bon, c'est un livre sur Lyon, sur cette histoire de Lyon, ce n'est pas le cas, même si l'histoire, par ailleurs, y est très importante, d'une part parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas dire comment la ville s'est constituée, ville dont le passé remonte à plus de 2000 ans, sans passer par, évidemment, cette évocation des étapes historiques de sa formation, parce que c'est aussi, l'histoire est présente, parce que la ville ne cesse pas d'émettre, de laisser échapper des images historiques, des souvenirs, du moins un certain type de souvenirs qui à moi me parle. L'histoire y est présente parce qu'il y a toute ma vie, d'une certaine façon, qui s'est passé là à quelques années près. Et donc je peux me voir dans cette ville un peu à tous les âges. Et puis l'histoire, enfin, parce que, ça rejoint d'ailleurs le point précédent, il y a cette formulation de Walter Benjamin qui dit que dans une ville, le pittoresque parle au visiteur de l'extérieur, il est pour lui. Mais, dit-il, pour celui qui habite la ville, explorer l'espace, ça signifie aussi remonter le temps. Et c'est une chose que j'ai essayé de faire ici.